Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce troisième épisode de Let's Play sur le deuxième DLC de Escape Academy. D'un coup, il y a le nom qui ne se revenait plus. Bref, on y va, on est parti pour ce troisième épisode. Je n'arrive pas à croire qu'on ait failli zigouiller tous les profs. Et faut pas t'en vouloir, le vrai responsable s'est servi de nous. Il ne veut vraiment pas se faire attraper. Donc, la salle des rivaux n'était pas un incident isolé. Non, il y a quelqu'un qui essaie de se débarrasser de notre bon vieil Horatio. Cette année commence sur les chapeaux de roue. Une compétition mortelle. Excuse-moi. Une tentative d'assassinat, de nouveaux amis. Franchement, de quoi tu te plains? On a au moins deux de ces choses et... Ok. Non, Donc, en gros... L'attitude du cuisinier est assez suspecte. Hein. Archive de l'académie, bon, on va essayer, on verra bien. Hein. Adieu avec cambriole, limite de temps 40 minutes, difficulté 4 sur 10. On est parti. Sur 5, pardon. Mercredi 3 novembre. Hello, hello. Bonjour, chers élèves, bienvenue dans mon cours de comptabilité. J'espère que vous ne vous attendiez pas à des tableaux noirs et à des calculs barbants. J'ai une approche quelque peu différente de cette matière. Le larcin redistributif, la meilleure façon de s'enrichir, c'est encore de voler. Beaucoup d'experts en évasion ont tellement d'argent qu'ils ne savent même pas quoi en faire, et moi, j'en fais toujours très bon usage. Mais il faut faire preuve de professionnalisme, entrer et sortir discrètement sans se faire prendre. Et c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui, car vous allez voler. Hey. L'acte de propriété de l'Escape Academy. Et attention, la sécurité ne rigole pas. En comptabilité, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre. Hey. Ça ne te pèse pas trop sur la conscience de cambrioler le doyen, Sandy? Pour être honnête, je trouve ça plutôt... grisant. Oui, c'est ça, grisant. Allons-y. Cambrioler la chambre forte. Time for a good old-fashioned headmaster heist. Go get that deed. Ok, il y a plein de trucs... D'accord, je sais où on est. Visière verte de 25 centimes pour les accros à la compta. Ok, il faut une pièce de 25 centimes. Là, il y a un code à 4 chiffres. Ce jeu de société est bizarre. Je sens que je vais perdre la boule. Hot dog! My heart is racing! Stay with me, Sandy! Encre invisible, j'espère que je ne suis pas fait de tâche. Ok, il y a de l'encre invisible. Évadez-vous. Archive des opérations 51-52. Note de frais Windsor Horatio section 12, bananeray. D'accord. Déclaration financière, portefeuille Jefferson. Ok, il y a un code à faire avec les... Il faudrait des diapos pour ce projecteur et je n'en ai pas. Bon, et oh. Opération Long John, étape 1, trouver un scaphandre. I hope you've got your wits accounted for. Ça en fait des dossiers, inspecter, réservé à Guy. C'est qui le dit? Donc là, il y a au bas gauche droite. Le panneau là, non, rien. À vendre grappin, j'ai acheté la gamme au-dessus. Et avec le code, hein, il y a aussi des... Oh purée! Ok. Du 6 vers le 28. Du 39 au 16. Donc attendez. Coca, Jefferson.
Oh, attendez. Voilà, Jefferson. Alors, action. Quantité 6, somme investie $60, date d'achat avril. Mai, juin, juillet, donc c'est août ou septembre. Somme investie, j'en sais rien. Profit, perte surtout. Balance, 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 balance toi. Ok. Yam un peu perdu. Ici, un code à 4 chiffres. J'imagine Satisfactory, c'est plus simple. Et encore, hein, tu peux bien te prendre la tête aussi sur Satisfactory. $628, 19 à 44. Non, c'est $628, 36 à 52. 56 à 53, et puis ça boucle. C'est pas ça. Diapo. Oh, d'accord. C'est des diapos. Hop. Voleur magazine. Bon, j'ai déjà deux diapos. Heure de l'action concours de ces derniers mois. Suivant. Voilà. Donc, et par rapport à ça, CAD. Il en a acheté 8 pour je sais pas combien en mai. Donc CAD en mai, il était à $5. Puisqu'il en a acheté 8, il en a eu pour 40. Ok, donc c'est bien ça. Il faut que je trouve les autres diapos. Et une là. Hop, voilà. Those are some good projections. Le puze en juin, il était à $15, donc on a acheté 4. Le 4, j'avais dit, et il était à $5, 8 ça fait 40. Donc j'ai 4 et 40. Clé, il en a acheté 7 à $70, donc il était à $10, il l'a acheté en août. Inde, il en a acheté 6 à $60, donc c'est quand il était à $10. Non, en avril. En avril, il était à $10, donc c'est bien ça. Donc c'est du Inde. Donc Inde, 4,40, août, épuise,
$50 en juillet, il était à $10.05. Bon, on va essayer de le retenir, hein, mais... Donc, Inde. Il était à $40. On a acheté 4 ici, 5 là. Et c'était en plus. Voilà, c'est bon. Let's not tell Mr. Jebison about this, right? Alors, allez dans mon bureau du haut. Trouvez la porte d'accès au bas-fond des égouts. Passez l'arme à gauche et à droite. Donc, allez dans mon bureau du haut. Au bas-fond, à gauche, à droite. Non ? Bah, en gros, c'était vraiment regarder les graphiques et faire une règle de 3. Hein. Et puis bon, si tu joues à Satisfactory en même temps, c'est compliqué. Bon. Non. Haut, bas, gauche, droite. Non. Pour le lit. Plein de cambriolages. Allez dans mon bureau du haut. Trouvez la porte d'accès au bas fond des égouts. Descendez en rappel sans passer l'arme à gauche, donc droite. Droite. Non. Non. Pas débile. Ça en fait des dossiers, oui. Bon, je prends l'indice, hein, mais je suis sûr que c'est ça. Ah oui, tiens, oui, les motifs, j'avais pas vu les motifs. Alors, voyons. Étoile, un petit tissu et puis damier. Il faudra faire les comptes des deux, j'imagine. Donc étoile, c'est celui-là, 53 moins 56 moins 53, ça fait un 3. Ensuite, c'est un peu motif. Tissu, c'est 64 moins 60, bon 4, 3, 4, et maintenant le damier, 49 moins 11, 38. You should see my exciting games chest. Voilà, Guy a dit ABD, ACBD. ABD, ACBD. C'est ici donc. ABD, ACBD. Très bien. This heist is giving me a real buzz. Ça descend jusqu'à son mot fort, mais il n'y a rien qui peut s'en servir. Ok. On a une pièce pour jouer. J'ai pas de pièce. Prix du voleur discret. Je crois bien que la place de ce truc est dans un musée. C'est ce que dirait un archéologue bien connu. Vous voyez dans le frôle comme de relâche en Antarctique, très bien, des tas de cartes et de plans. Le professeur Gisborne voyage beaucoup.
n'est pas le moment de manquer d'entrain, parce que c'est un train, qu'est-ce que c'est cette plante. Smash it. Un charme en vrai, si tu es rébu, ce serait pour moi plus vieux, j'ai invité l'honneur du bal de l'hiver. Bah tiens, look. Le couvercle est trop lourd pour que je soulève à main nue. Adieu la cambriole, s'évader d'une vie de crime. Guy, c'est ce qu'il fait, c'est de l'or. Pour l'instant, je sais pas quoi faire avec. Je me demande à quelle ville ça a été volé. Putain, mais j'ai un numéro. Ok, donc là, il y a un boulier. Il y a des bouliers. Enfin, un boulier avec des boules de couleur. Et un grappin. Donc ce sera pour la suite. Château d'Escape, tout juste mis en bouteille. Donc en gros, j'ai des pièces. Je peux jouer au pachinko. Oui, d'accord. Dans le 3, très bien. Fuck. PC vers le 4. Oui, ça va aller dans le 4. Je vais essayer le 5 encore. Bien, c'est juste là où je voulais. Pour arriver ici, faut arriver dans le 4. Ouais. Enfin, il peut arriver à côté. Mais bon. Hop. Voilà, voilà. Voilà, je refais le 4 normalement. Donc là. Là, là. Là, et bien, voilà. Pour arriver ici, je vais essayer le 2. Très bien, très bien. Et donc là, je dois refaire le 2 en fait. Très bien. 4. Never thought somebody'd best me on my own machine. Donc c'est 5. 3, 2, 4. 5, 3, 2, 4. C'était ici. 5, 3, 2, et 4. J'ai le grappin. C'est rien passé. Avec les pièces, je peux encore aller de l'autre côté pour les lunettes de cambrioleur. Seeing green, like a true accountant. Et là, on verra, oui, la peinture invisible. Alors, on doit suivre le chemin et appuyer 1. What a load of bollocks. Le doyen se jette à l'eau. Définition de mots croisés. Ah, il faut trouver où se trouve le C dans ces mots croisés en fait. Un cuisinier.
Ah bah voilà, faut faire le... Avant la tempête, le 1 vertical, le 4 vertical, de sèche ou de chine, encre. Le R. On s'assoit dessus le siège peut-être. On va essayer. Hein. Ok, alors. Avant la tempête, le calme. Simplement. Hop, le M et le E, non pas celui-là. Alors, cuisinier, pas courageux. Pas courageux, c'est lâche. Il dépasse parfois le maître, l'élève. Et cuisinier, donc c'est chef. Quelle biche. Non. Ok. Je peux pas juste sauter, je me grappe. D'accord, je me vois. Bah non. D'accord, je sais pas qui c'est, mais... Okay, the entrance to the sewer should be right below you. Je l'ai un peu fait au pif, mais voilà. Il y a du ouvert, il y a du fermé. Là. On ferme là, et on ferme là. Ok. On ferme là. Là-bas, c'est du verre. Ok, bon. D'accord. Donc, on commence. Le 1. Le 1, c'est celui-là. Ensuite, 2. C'est celui en bas à droite. Et ensuite, le 3. Ok, 4. 6. 4, c'est celui-là. Le 5, c'est celui-là. Le 6, c'est celui-là.
Le 7, c'est celui à gauche et le 8, c'est celui à droite. This is a robbery, but you already knew that. Now, make sure that grate doesn't lock behind you, or we'll be... D'accord. Guess we're on our own, Eel. Ok. Pour un goût d'or. Ça c'est pour partir, ok. Boîte du Midas, ne pas toucher. Il y a 1, 2, 3, 4 avec les mains, avec les doigts. Avec les doyens, machin, ok. Un lingot d'or, le rouge, un lingot d'or. Frappe jour, protectrice de l'académie, ok. Deux lingots d'or pour le jaune. Bah non, il y a trois lingots d'or pour le jaune, ça veut dire non, c'est pas. Ce serait rouge, bleu et violet. Doyen Gale, Galen Bopper, qui est l'origine de la construction de la bibliothèque de l'académie. Doyen, ok. Ok. Doyen Warren Pierce, connu pour son tempérament calme et sa capacité à apaiser les conflits. Doyen Warren Pierce est en train de découper un usurpateur potentiel. D'accord. C'est une façon comme une autre de couper un diamant. Je vois pas le... D'accord. Oui. Et quatre lingots d'or ici. Que je comprenne ces lingots d'or. Bon, il faut trouver un moyen de sortir d'ici, oui. Bon, pas d'indice pour l'instant. Au pif, hein. Non. D'accord. Bon, je comprends pas trop, mais...
fait, je vois pas le... Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Donc là... Si je fais... Tout le rouge dans le noir... J'y arriverai pas. Aren't gonna stop Eel and Sandy from getting into that vault. Tout simplement. Ok. Ah oui, d'accord. Que je comprenne maintenant comment l'ouvrir. Okay, il faut qu'il y ait plus de rouge peut-être. Time to beat it. Get to the elevator! C'est tout? Non. Hey! Non, 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 c'est pas tout, c'est pas possible. Eel? Sandy? We gotta get out of here! Bon, ça marche pas? Ça marche plus? Alors oui, je veux bien, mais quoi? Le 1 lingot. C'est à ça que ça sert. Environ. Le 2 lingot. Il est là. Il y a le 4 lingots. Il est là. Et donc, qu'est-ce que j'ai libéré? Tournevis doré.
Une tournevis dorée. Pas assez pour casser une vitre. Bon, on va prendre la hache alors. Hache en diamant. Hache en diamant, on casse ici la vitre. Can't kill us that easily. D'accord. Mais ben voilà, j'ai réussi. That's not how I expected the heist to go. But still, what a rush! Au final, chaque cambriolage est truffé de surprises, mais pas celui-là, ça faisait un peu beaucoup. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le contact avec vous, et ensuite mon bureau a été frappé par un genre de séisme. La grille d'égout s'est refermée derrière nous, on a dû trouver une autre sortie. On avait l'acte de propriété entre les mains, mais quand on a essayé d'utiliser l'ascenseur du doyen, le mur s'est effondré et la pièce a commencé à se remplir d'eau. What? Croyez-moi, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour mon cours. C'est sûr que dans mon métier, il y a parfois des imprévus. Mais normalement, on ne se prend pas de mur dans la figure. Je ferais mieux d'aller mesurer l'étendue des dégâts et essayer de découvrir la cause de cet effondrement. N'écoutez pas les gens qui disent que la compta, c'est barbant. Ok. Bon, voilà. On a fait notre troisième épreuve. On s'arrête là pour cet épisode et puis on continue dans le suivant. Hein. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Hein. Pouce en l'air si vous avez apprécié, commentaire pour me le dire aussi. Ça fait plaisir de voir. D'ailleurs merci Exo pour le GG. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires là-dessus. J'essaye de répondre quand j'ai le temps et tout ça. Hein. Donc n'hésitez pas. Et portez-vous bien tout simplement. Allez, bye.